Salut tout le monde, je suis Inal, c'est les Mimiques, et aujourd'hui on se retrouve toujours avec notre cher Léon Stanislas Kennedy, j'ai aucune idée de à quoi tient son S, pour continuer notre aventure dans Resident Evil 2 et essayer de ne pas croiser un monsieur T qui a tendance à passer à travers les murs. Ah, ça va poser problème, ça. What? Attends, wait. Je pense que j'ai raté un truc. Ce n'est pas grave. La manivelle, elle doit aller de l'autre côté. Pas d'araignée, pas de dogo vivant. Enfin, mort vivant. Moi, ça me convient. Donc... petit rappel à l'épisode précédent, on a vu un type qui parlait des méfaits du chef de la police dont j'ai déjà oublié le nom. Ça n'avait probablement pas d'importance. Ouais, c'est là. Qui s'est fait exploser le crâne en toute brutalité par notre vieille amie avec qui on joue parfois, hein, au chat et à la souris. Monsieur T. Je n'y attendais tellement pas. Quick. Non, ça va, ça ne grince pas non plus. Et on explore des zones jamais explorées avec Claire. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Non, bien sûr que non. Ai-je oui un grognement? Confiance zéro, vous la sentez là? Faut bien commencer un épisode par quelque chose, hein. Quoi de mieux qu'un peu de panique pour commencer? Par là, derrière. Eh, mais attends, celle du régénérateur, ouais, bien. Du générateur. Alors, ça, c'est un objet que je cherche. Je suis à peu près sûr que si je le prends, j'ai déclenché des trucs. Donc, on va aller explorer un peu en avant. Et si on peut rallumer la lumière... Mais je suis pas folle, j'entends des grognements. Pourquoi j'ai eu un point de sauvegarde? Pourquoi je suis en train de paniquer? Ok. Tweak. Le pif! Ah mais si, j'étais passé ici. Où est-ce que vous vous planquiez? What? Vous êtes les nouvelles araignées? BOUM! Au suivant! Je prends ça. Tout va bien. Est-ce que j'ai tout pris ici? J'ai tout pris. Non mais oh!
Ok, la musique stressante s'est arrêtée. Je conclus que c'est un bon signe et que les dogos avaient une stéréo dans le bide! Il est où? Il est où? Bam! Aïe! Arrête de courir, saloperie! La panique est totale! Au secours! Ok. Tant qu'on n'entend pas de... Boum! Comment ça, t'es encore en vie? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Viens te battre! Comment ça, je l'ai pas eu? Ah non, 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 non! Ah non, il m'enchaîne! J'aime pas les chiens! Boum! Boum! Couché! Oh la va! Non, 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 je ne vous permettrai plus. Mais c'est dingue, quoi! Ces chiens, ils ont bouffé des radios! C'est des jukebox! Ok, on va avancer. On va avoir confiance. On est mieux armé que les chiens. On a toutes nos chances. Je dis ça dès que je retombe sur un dogo, je panique. Ok, attends. Wait. Wait. Je suis pas déjà venu ici. Et si... Si, 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 je suis déjà passé par ici. Je reconnais cet endroit. Il y a une salle de sauvegarde juste à côté. Juste là. Bordel, ma mémoire de poisson rouge. Elle est viable. Mais ça nous aide, oui, certes, mais... On a une manivelle. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la manivelle. La question, c'est quoi? Oh, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Ah oui, on a aussi la clé losange. On a la clé losange, on a la manivelle. Genre quelque part par ici, non? Là! Là, il y a un rideau de fer. Mais voilà, on sait où. Arrête de me faire peur, toi. On sait pas où passer. Non, 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 attendez, attendez 2 secondes, j'arrive. Je m'occupe de vous tout de suite. J'avais le pressentiment que ça allait arriver. Non, mais ça, on va pas le prendre, enfin, respecte-moi. Par contre, je vous admets, c'est la dèche au niveau des munitions. J'ai pas de couteau. Ouh. Qui? Oui. Voilà. Je vous ai entendu. Voilà. Ça va mieux, monsieur, comme ça? Parfait. Ah, merde. Oh merde, ils sont deux! Boum! Ok, si je commence à rater. Merde! Ouvre la porte, ouvre la porte! Ah, c'est la dèche. Et...
Là, le curseur, non, il va pas. Non. BOUM! Dis-moi que tu ne te relèves pas. BOUM! S'il vous plaît, dites-moi que vous ne vous relevez. Bah, que vous ne vous relèverez plus! Mais. Non? Enfin, monsieur? Bouffez plutôt ça. Merci. Oula. Laissez mon collègue en paix. Il se porte très bien sans ses jambes, c'est pas une raison pour les lui bouffer. Regardez-le. Qu'il est mignon. Par contre, t'es un peu dans le passage, mec. Oh non, mais c'est pas vrai, il s'est relevé. Ah non, c'est juste lui. Oula. C'est juste lui qui passe en dessous du cadavre. Je croyais que le cadavre, il était encore animé, mais non. Où est-ce que je suis? On sait qu'il y a un cadavre dans le bureau S, donc on ne va pas y aller. Ah oui, du coup, la grande question. À votre avis, Monsieur T, est-ce qu'il est encore dans le coin? Est-ce qu'il est toujours dans le coin ou est-ce qu'il s'est barré? Est-ce qu'il va encore nous embêter? Est-ce qu'on va encore jouer au chat et à la souris ou pas? Ok, ça fait plaisir de revoir un lieu qu'on connaît bien. Premier objectif, récupérer des munitions. Et des munitions, de ce que je me souviens, il y en avait tout au bout. Voilà. Trois? Ah oui, mais non, mais c'est des. C'était pas du magnum. Trois munitions! J'ai une balle de. J'ai récupéré une boîte de trois balles. Au secours! Vous savez quoi, tant qu'on est là? Ok, je vais prendre l'autre escalier, mes excuses. Tant qu'on en est ici, on va en profiter pour aller développer un petit peu la pellicule qu'on a récupérée quelques instants auparavant. Oh putain! Changement de plan. Changement de plan, j'ai pas assez de munitions pour gérer ça. Oh putain, mais c'est pas vrai! Enfin! Ça va pas te prendre les gens en embuscade comme ça, madame! Pourrait-vous arriver de fâcheuses choses? Boum! Voilà. T'es couvert de sang, toi. Reste loin de moi. Non, non, vraiment, reste loin de moi. Pourquoi y a-tu fil barbelé? Je me suis déjà fait cette réflexion, non? Toi, t'es morte, ok? Toi aussi, t'es pas vivant. On est juste à côté. Mais si ça se trouve, la pellicule, c'est. Non, ça va pas être un truc. Ça va pas être la solution d'un coffre comme il y a là. Non, 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 c'est ici. Par contre, ici, je crois qu'il y a du monde. Personne? Personne!
Bon, bah, s'il y a personne, moi, ok, ça me va. Kouik, 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 Kouik. Ah, toute une nouvelle zone s'offre à nous. Attends, le bureau du chef? Attends, mais c'est pas un point de sauvegarde, le bureau du chef? Mais si, regardez avec ce petit raccoon qui est plus là. Mais... C'est le point de sauvegarde qui est hors d'atteinte. Est-ce qu'on va en haut, est-ce qu'on va en bas? En bas, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a des trucs que j'aime pas. En haut, il y a tout le reste. Ouais, mais en haut, on a accès au toit. Et à l'accès au toit, ça veut dire l'accès à la sauvegarde juste là. Ouais, ta 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 ta. Ouais. Donc on va commencer par aller en haut. Je l'ai toujours pas ouvert. Je viens de me rendre compte. Voilà. J'ai galéré à trouver l'ouverture. Ta 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 ta. Encore des petites planches. Je vais pouvoir construire des ponts. Qu'est-ce que ça va? Oh, une flashbang! Parfait. Ça remplacera celle que j'ai perdue. Oh, combien? 4! Ouais. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. La terrasse, c'est tout droit. Il pleut! Mais au moins ici on connaît déjà la méthode. Hop, non, hop. Oh merde, oh merde, oh merde. Aïe. C'était pas prévu. Merde. Ça me pose de considérables problèmes. Mais pas de panique. Pas de panique. Va trouver un moyen d'arranger ça. J'espère. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Il y a des zombies robots maintenant? Ok, c'est juste qu'il force sur la porte. Heureusement, on peut constater que malgré que la porte soit assez élastique, elle tient bon. Même, hein. Moi, je sais pas vous, mais moi, la porte de chez moi, si elle faisait ça, c'est que la serrure aurait déjà explosé. Du coup, la porte, tu la pousses, ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a encore des trucs à récupérer? Non. Bouf! Allez, j'ai encore 4 essais. Boum! Voilà! Ça, c'est ce que j'aime voir. Oh merde. Putain de merde. Mais elle marche pas droit! Dernière balle. Merde! Pas grave! Avec ça, ça devrait être bon.
Je l'aime bien ce flingue, hein, mais définitivement il fait pas assez mal. Ouah, mais c'est cosy par ici. Mais c'est tout cosy. Mais c'est trop bien. Bon, c'est pas trop bien par contre que je n'ai plus du tout de munitions. Ok. Ok, ok, ok. Plante, j'ai pas de plante bleue, donc on va rester tel quel. Ok. Someone loves a key. Ok. C'est pas la clé que je veux, mais c'est pas grave. On va sauvegarder. C'est gratuit. Profitons-en. Ah là 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 là. J'ai tout récupéré ici, il n'y avait pas tant de trucs que ça. Le composant électronique, je pourrais largement le déposer vu qu'il y a un coffre pas loin de là où on en aura l'utilité. Donc bon. Hop. Je l'ai scié en deux. Est-ce que c'est moi ou je l'ai scié en deux? Je crois. Mais oui, je l'ai complètement coupé en deux. Ah, il y a des gens, ils scotchent les gens, moi je les coupe. Non, c'était moisi. C'est pas grave. Ok. Twic. Allez. Allez! Sans les mains! Oh, il y a des munitions! 4 balles. J'ai 4 balles. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe mal? Un des plantes. Non, moi je vais. Mais récupère la plante enfin, Léon! T'as perdu ton capio, tu sais. Attends, 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 attends. Wait, wait. On peut discuter, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut discuter, non? Parce que... Je suis assez ouvert à la discussion, tu sais. Secours. Au secours. Ouch! Dépêche. Tu veux pas retourner en prison? Il y a des gens, je te jure, ils méritent que tu leur exploses le crâne. Secours. Au secours. Au secours. Est-ce qu'il me reste des trucs à récupérer ici? Non. Pourquoi faut qu'il revienne, le fourbe? Putain, c'est... Il y en a qui ont pas fait gaffe à ce qu'ils ont brûlé. Hein. Et on va aller là. Bon, bah, devinez qui est reparti pour jouer au chat. Et merde. Désolé, mais j'ai pas de temps à perdre avec toi. On l'a perdu. On a perdu Monsieur T. C'est pas pour me déplaire. Putain, comment j'ai pu le perdre sur une ligne droite? Ah non. Pas le... Il est parti à gauche. Où est-ce que je veux aller, moi? On peut faire tout le tour. Faisons tout le tour.
Arrête de bouger tes vêtements. Ok. Wait! Mais oui! Il y a plein de salles que je peux ouvrir maintenant! Qu'est-ce que nous avons là? De la poudre. Est-ce que c'est tout ce qu'on avait là? Non, il reste des trucs, il reste quoi? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, quoi que si, ça peut être bien, ça peut donner à des munitions. Oh merde, 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 merde. Oh merde, ou merde, ou merde, ou merde, ou merde, ou merde, ou merde. C'est pas bien d'entrer dans les toilettes des filles. Rah, il a aucune délicatesse. On se dépêche. Ok. Il n'y a pas un liqueur dans le coin. On s'en fiche. Il sait pas entrer ici. Il a peur des chambres noires. C'est trop dark pour lui. Oh là là. La panique. S'en dépose. La clé là, on n'en a plus besoin. Ce qui me fait penser que la clé de trèfle, qu'est-ce que je cherche? La pellicule. Ouais, elle va nous servir, je pense, à les archives, non? Merde, non, c'est une clé de cœur. On n'a pas encore toutes les clés, au secours! Où est ma pellicule? Casier 3F, DC. Attends, mais 3F. Mais tu te fiches de moi, je le savais déjà, ça! Je l'ai déjà ouvert! Aïe, aïe, aïe. Allez, petit mini-jeu à la con. Ok. Ta. Tic. Tac. Tac. Tic. Tac. 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 Non, raté. Tic. Tac. 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 No comment. No comment. Tic. Donc, tic. Tac. 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 Voilà. Parfait. Et une touche. Une. Bref. Vu qu'on a retrouvé notre bon vieil ami, Monsieur T, moi, je vais profiter de cette chambre pour l'entendre faire les 100 pas devant la porte. Et du coup, je vais vous laisser là. En tout cas, je vous dis merci d'être passé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à la prochaine. Bye bye les gens.